Bon, triple mission. Mission, nous, c'est protection, promotion et réhabilitation de couches vulnérables, mais particulièrement Timoun. Et moi, capable de dire que nous sommes régulateurs de protection Timoun. Et c'est pour ça, Jodia, que moi, vini, c'est surtout pour me parler de deux grandes réformes que nous faisons vraiment dans le bien-être social dernièrement. C'est adoption internationale, là, parce que nous connaissons que nous renforçons le cadre légal, là, nous avons une convention de la Haye qui est ratifiée. Et après que le ratifié, on compte toute convention qui est ratifiée, abrogée, loi qui est contraire, nous amendons loi en conformité avec convention. Et qu'on y a nous avons une réforme sur l'adoption internationale. Une réforme qui permet, qui n'a plus de garantie, qui permet que tout le monde sache qui partit à l'étranger, n'assure-nous que l'adoption sont réussite. Et que tout le monde sache qu'à vivre dans un environnement propice. Et que premier droit l'assurer, c'est droit affection, amour, pour joindre une vraie famille, pour le capable de vivre. Et deuxièmement, ça me t'arrête, mais renouveler surtout, c'est centre d'appel d'urgence là. Pour qui ça, Jodiam, là, pour me parler de centre d'appel d'urgence là? Parce que là, nous parler de protection, Timoun, nous toujours dit que protection, sont question de société. Quand on dit sont question de société, ça veut dire que les concerner toute citoyenne dans le pays, toute institution. Et c'est pour ça que centre d'appel d'urgence là, pour nous impliquer la population, impliquer tout le monde qui vit dans le pays. Ça veut dire que si vous avez un petit monde, on va pas assister à un petit monde qui a subi un cas de violence, pour carrer les 133, pour aviser que petit monde a subi un cas pour intervention bien-être social dans le café. Donc en réalité, c'est pour ça, en gros, je dis à là, parce que c'est deux grandes réformes capables de dire. Et en plus de ça, m'a dit là, nous avons en plus une autorisation qui est l'accompagnement de mineurs. Donc ça veut dire que au niveau des frontières, des aéroports, un petit monde mineur pas qu'à quitter territoire là sans autorisation bien-être social. Et encore une fois, si nous avons une dérive qu'a fait, c'est encore relais 133 parce que c'est important pour nous annoncer ça qu'a fait avec Timounio. Et je pense que, et je toujours dit ça, médias ont une importance, c'est capital parce que même dans la Convention des droits de l'enfant, n'a pas que nos articles, que ont dit importance médias. C'est un plus grand rôle que nous gagnons, c'est informer la population, dire ce qui a passé au niveau protection de Timoun. Parce que comme je dis, c'est des Timoun, nous sommes tous des parents et nous tous concernés dans la vie.